Quel est votre signe en astrologie chinoise ? Moi, je suis dragon et c'est quelque chose qui m'a toujours excité car j'ai toujours été fasciné par cet animal mystique et fabuleux. Je suis aujourd'hui à Chinatown, le grand quartier chinois de Londres, où ont eu lieu il y a quelques jours les célébrations du Nouvel An chinois à l'occasion de l'année du coq. Et si on fêtait à nouveau le Nouvel An chinois en suivant la route de la soie au Festival des Lanternes Magiques de Londres? On y va ? On va commencer notre voyage en embarquant sur ce bateau et je pense que ça va être un voyage vraiment lumineux. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est une idée vraiment brillante. N'est-ce pas ? Au fait, t'es quel signe toi en astrologie chinoise ? Singe. Pardon ? Singe. C'est beaucoup moins excitant que d'être dragon ça. Tu veux des cacahuètes ? Il y a de la bonne musique ici. Si comme Aladdin, tu trouvais une lampe magique qui faisait apparaître un génie en la frottant, que ce génie t'accordait un vœu et un seul, quel serait ce vœu ? Ne me dis pas d'un truc du genre « Ouais, je demanderai au génie qui me donne 50 000 vœux, non, non, non. » Juste un seul vœu. Que ce soit Noël tous les jours, parce que c'est mon temps préféré de l'année. Voilà, comme ça, je devrais te faire des cadeaux tous les jours. Ça ? Marshmallow toasting ? Je crois qu'on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Venez. Ici derrière moi, on peut faire griller les fameux marshmallows. Et on a trouvé mieux, chocolat chaud avec un marshmallow de luxe à l'intérieur et de la crème chantilly. C'est le meilleur moment de la soirée, tu crois pas ? Je pense, c'est ça. Je pense. C'est vraiment bon, vraiment. T'as vu mon nez, il est aussi rouge que ton manteau. C'est quoi que son nez à elle ? Il est bien rouge aussi. On est comme Rodolphe. Ah oui, on est deux Rodolphe, deux reines du Père Noël au nez rouge. Est-ce qu'il y a un pays asiatique que tu aimerais visiter ? Oui, Japon. Sans hésiter ? Oui. Eh bien moi aussi, sans hésiter. Depuis que je suis petit, je suis fan de manga et de jeux vidéo, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et je n'ai toujours pas visité ce pays qui me faisait tant rêver quand j'étais adolescent. Ça y est, Marette, on a atteint notre objectif. On arrive en Chine et on peut voir là-bas les décorations qui sont prêtes pour la célébration du Nouvel An chinois. Alors, on va faire la fête ? Oui. On va faire la fête. Finalement, on n'a pas trouvé le dragon au Festival des Lanternes, mais j'ai trouvé le Black Dragon dans un pub sur le chemin du retour. Alors, cheers. C'est pas de la bière, c'est du cidre. Et je déteste le cidre. Ça vient de déclencher chez moi la colère du dragon.